Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tutoriel du Capitaine Stargazer. Cette fois-ci, nous allons oublier un petit peu tout ce qui touche à l'émulation et je vais vous proposer de vous donner la possibilité de télécharger les vidéos de Dailymotion et YouTube. Pour cela, donc pour Dailymotion, vous allez avoir besoin d'un petit programme qui est totalement gratuit, qui répond au nom de Dailymotion Video Download, que vous pouvez trouver donc sur le site même. Alors, donc le site même de l'éditeur, bien sûr, excusez-moi. Alors, pour cela, vous ouvrez votre Internet Explorer. Dans la barre de Google, vous tapez Daily, ben voilà, Motion Video Download. Vous cliquez et vous allez donc sur ce site. Hein. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez ici Télécharger. La petite barre de téléchargement se présente comme ceci et vous pouvez faire directement exécuter. Moi, je ne le fais pas puisque je l'ai déjà. Une fois que cela est fait, l'installation se fait aussi automatiquement, vous fermez et vous allez obtenir ce petit icône. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Vous vous rendez sur le site de Dailymotion et ici dans la barre de recherche, vous tapez la vidéo que vous recherchez. Une fois que cela est fait, vous affichez donc la vidéo dans le lecteur Dailymotion. Et ici, au-dessus, vous mettez cela en surbrillance, vous faites un clic droit dessus, vous faites copier, vous abaissez, vous ouvrez donc le petit logiciel, et automatiquement, l'adresse se met ici. Si pas, vous supprimez et vous faites coller. Vous faites ajouter, donc ADD, et ça va s'ajouter ici. Et vous faites start. Alors bon, vous allez obtenir la vidéo en quelques secondes, peut-être deux grosses minutes, cela dépend un petit peu de la rapidité de votre machine. Alors, pour la configuration de ce petit logiciel, vous voyez que donc l'interface est assez sympathique et simple. Ici, SaveTo, donc c'est le c'est là que vous allez sauvegarder donc au final la sortie de votre vidéo. En l'occurrence, moi je propose toujours de les placer dans Documents. Pour tout ce qui est téléchargement, je trouve que le dossier document est plus simple et moins compliqué à retrouver parce que il arrive que beaucoup de personnes téléchargent certains programmes, films ou MP3 et ne le retrouvent plus parce qu'ils ne regardent pas où ils l'ont envoyé. Donc moi, en l'occurrence, je dis que document est beaucoup plus simple. Alors ici, vous laissez en automatique et alors... Ici, vous choisissez AVI. Donc, AVI sera la compression de la vidéo à la sortie finale. AVI, bien sûr, est une compression qui est prise en charge par tout ce qui est lecteur actuel, hein, surtout sur votre PC. Et alors, vous faites start. Et une fois que cela est fait, vous allez voir la petite barre de progression ici. Hein, une fois à 100%, ben, vous aurez votre vidéo dans vos documents. Donc, pour aller plus vite, moi, je l'ai déjà fait. Une fois que c'est à 100%, vous allez avoir un tout petit message ici qui va vous indiquer « Finished ». À ce moment-là, vous fermez, vous vous rendez dans vos documents, vous fermez en l'occurrence, vous aurez peut-être une petite pub qui va s'ouvrir, mais vous la fermez, vous rediminuez votre Dailymotion, voilà, et vous allez avoir deux documents. Donc, vous voyez qu'ici, moi, c'est un fichier FLV, mais sinon, c'est un fichier AVI qui est disponible avec tous les lecteurs de votre PC. Vous pouvez aussi, à terme, placer tous vos vidéos sur un support DVD vierge et le lire sur votre DVD de salon. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer que cela fonctionne nickel. Voilà, moi je travaille aussi avec VLC qui est un très bon lecteur vidéo. C'est quelque chose de très simple et c'est assez sympathique de pouvoir sauvegarder les vidéos que l'on aime hein, de YouTube. Juste après, je vais vous montrer comment télécharger les vidéos de YouTube. Alors, je pense que je n'ai pas réussi ma petite manipulation. Ah, ben si, voilà. Eh bien voilà, donc vous voyez que la vidéo qui était disponible sur YouTube aujourd'hui dans Mythbusters
se trouve bien dans mes documents. Et vous voyez que vous ne perdez pas en qualité. Hein. Et bien voilà, donc pour cette vidéo, je vais, tant que je suis avec vous, je vais faire un petit nettoyage. Voilà. S'il veut bien. Voilà. Alors maintenant, nous allons attaquer donc les vidéos de YouTube. Je recommencerai après. Cela n'est pas grave. Voilà. Nous allons faire les documents. Donc, nous allons passer maintenant donc à YouTube. Alors, pour cela, vous vous rendez sur le site de YouTube. Et voilà. Vous diminuez. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un programme. Ce sera un site internet qui vous propose de télécharger, de faire la manipulation, mais en ligne. Pour cela, vous ouvrez Explorer. Et vous tapez CapVid. Voilà. Vous vous rendez sur le site. Alors, vous diminuez. Agrandissez votre page YouTube et recherchez donc une vidéo. Mais cette fois-ci, vous aurez la possibilité de télécharger aussi le support audio. Donc, soit que vous téléchargez la vidéo et l'audio, ou tout simplement l'audio tout seul, qui sera en fichier MP3 au final. Donc moi je vais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait rechercher. On va mettre par exemple Voilà, retour vers le futur. Nous allons prendre un passage. Bon, en l'occurrence, on va prendre celui-ci. Je vais diminuer le son. Ah, vous voyez qu'il y a... Il y a bien le son. Vous mettez pause. Vous mettez en surbrillance bleue. Vous faites un clic droit. Vous faites copier. Vous diminuez votre page et vous agrandissez CapVid. Et dans la barre, vous supprimez, vous faites coller, download. Et voilà, vous patientez un petit moment. Je la barre assez vite. Vous allez voir. Ici, vous faites accepter. Voilà. Vous voyez ici que vous avez plusieurs possibilités. Donc, vidéo 3GP, donc pour lecture sur mobile. FLV, lecteur FLV, donc c'est le lecteur que je vous ai montré avec lequel je travaille beaucoup. MP4, Web Media Player. Alors MP3, ça c'est dans votre appréciation. Hein, mais moi ici je vais vous montrer comment télécharger rien que le fichier audio. Vous cliquez sur Download MP3, vous allez avoir une autre page. Vous fermez si vous avez ce genre de message. Vous acceptez, exécutez, et voilà. Vous avez la proposition de téléchargement. Vous faites Download MP3, et il vous propose donc de l'envoyer à un endroit bien spécifique. Mais encore une fois, je vais vous proposer de le télécharger dans vos documents. Voilà, vous cliquez sur Documents. Voilà, vous faites enregistrer et le téléchargement s'envoie automatiquement sans manipulation trop dure. Donc cela va encore assez vite, hein. Ça dépend un petit peu de votre signal de connexion, mais sinon ça va encore assez vite. Excusez-moi. Voilà, et bien écoutez, moi j'espère que mon petit tutoriel vous a plu. Et que cela a été un petit peu clair. Encore une fois, je n'ai pas encore eu l'occasion de remplacer mon système d'enregistrement. Donc, en l'occurrence, le micro. J'espère que cela va s'effectuer le plus vite possible. Si maintenant, vous avez des propositions de tutoriel, donc des petites idées à vous, vous pouvez me les faire parvenir donc sur mon email, qui est 1974sony en minuscule @live.fr.
Je traiterai votre demande au plus vite et dès que j'ai sélectionné la demande qui me paraît le plus intéressant, je ferai une petite vidéo et je vous répondrai donc sur votre email. Je vous laisserai un lien où vous pourrez trouver la vidéo. La vidéo sera disponible pendant 48 heures. Pourquoi? Parce que bon, c'est pour éviter donc un surcharge de vidéos à la demande. Mais j'aurai toujours une sauvegarde sur mon PC. Donc ainsi, ce qui vous permettra, par exemple, si vous ne trouvez pas où la vidéo aura planté, je peux de nouveau vous faire parvenir votre lien. Voilà, donc nous allons attendre ici que le téléchargement est terminé pour que je puisse vous montrer que la musique, qu'il n'y a rien que la musique qui a été, donc le support audio qui a été téléchargé. Voilà, nous y sommes presque. Désolé pour les quelques trous. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que vous avez pu constater que j'ai changé un petit peu ma version générique. Forcément, donc, je suis tout seul maintenant parce que le clan où j'étais a fermé. Donc, j'ai dû changer un petit peu l'apparence de mon émission. Et ce serait gentil de me laisser un petit message pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez ça beau. Ce que je risque peut-être à l'avenir, c'est de changer donc la musique de mon générique, hein, parce que bon, sur les lois de licence et de droit d'auteur, c'est assez strict. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Vous pouvez tout fermer. Voilà, vous pouvez fermer votre page YouTube aussi. Vous vous rendez dans Documents. Et voilà, vous voyez ici que je possède bien le fichier MP3 sans la vidéo. Voilà. Voilà. Vous voyez bien que ce n'est que le support audio qui a été téléchargé. C'est magnifique, n'est-ce pas? Eh bien voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et peut-être éventuellement une bonne semaine pour ceux qui sont au boulot. Et j'espère vous retrouver dans un prochain tutoriel du Capitaine Stargazer. C'est ici que nous quittons. Au revoir.